I look upon you with pity, my lost child. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. And the torturous mission to which they have bound you. Et bien le bonjour, noble chevalier de la team JVM, je suis votre humble serviteur, le grand malandrin, et je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois, l'épée à la main, décidément, ça commence à devenir une habitude, mais pour cette occasion, j'ai été obligé de la sortir, car il est venu le temps de vous livrer mon avis sur Lords of the Fallen. On va partir pour un grand test qui risque d'être assez long, car il y a beaucoup de choses à dire, car non seulement j'ai pu tester le jeu, mais j'ai aussi pu m'entretenir avec les développeurs. Je connais donc pas mal de choses sur le titre, un titre qui est d'ailleurs très attendu, et on va voir ensemble s'il est à la hauteur de l'attente, ou si ce n'est qu'un énième Souls-like de plus qui n'apporte pas grand-chose. Et précisons aussi que j'ai testé le jeu sur PC, qu'il n'y aura bien évidemment aucun spoiler narratif dans ce test. Alors bien sûr, je vais vous montrer quelques boss, quelques zones, quelques armes, quelques armures, histoire quand même d'étayer mon propos, mais je vais me contenter du strict minimum, donc soyez sans crainte, vous pouvez le visionner sans être spoilé. Et sur ces belles paroles, eh bien, on est parti. Now you live in the darkness, brother. You are in the presence of a god human. Immortal or not, beg for forgiveness. The gods will feel our blades. On va donc commencer par aborder l'histoire du jeu ensemble, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi poser un petit peu de contexte, car pour tous les amateurs de Souls-like tapis dans l'ombre parmi vous, et pour ceux qui connaissent la licence, il y a déjà bel et bien eu un Lords of the Fallen sorti en 2014, un opus qui avait été plutôt mal accueilli par la critique qui ne l'avait pas fortement apprécié. Personnellement, j'avais passé un bon moment sur le jeu, malgré des grosses faiblesses comme des combats hyper lents et un personnage qui était un véritable tank à contrôler. Mais au-delà de ça, il y avait pas mal de choses que j'avais énormément appréciées, à commencer par son ambiance générale, sa direction artistique, mais encore son lore. Mais honnêtement, le jeu avait de grosses lacunes, et comme j'ai pu vous le dire, la critique n'a pas été tendre avec lui. Pareil pour les joueurs, il a plutôt divisé à sa sortie. Moi personnellement, comme j'ai pu vous le dire, je l'ai pas mal apprécié, mais on n'est pas beaucoup dans ce cas-là, et rappelons aussi que le jeu avait été développé par Deck13, qui ont pu par la suite s'illustrer avec les The Surge, qui sont des Souls-like vraiment sympathiques, et le studio Deck13 n'était donc pas seul pour développer le titre, car CI Games les a aidés. CI Games est une société de développement et d'édition polonaise, et qui deviendra d'ailleurs par la suite l'éditeur de ce Lords of the Fallen version 2023, car à l'époque c'était Bandai Namco qui s'était chargé de l'édition. Et si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour rien, car ce Lords of the Fallen version 2023 n'est pas une suite directe de l'opus de 2014, mais bel et bien un soft reboot. Alors bien sûr, on ne jettera pas tout à la poubelle, on va garder quelques idées de lore et surtout le méchant principal du nom de Adir, mais pour le reste, on fait table rase du passé et on repart sur de nouvelles bases pour essayer de fournir la meilleure expérience possible. Et cette fois-ci, c'est Hexworks Studio qui développe le titre, ce n'est plus Deck13 qui est à la barre, mais bel et bien Hexworks. Ils ont repris le développement en 2019, car le titre a eu un développement quelque peu chaotique. Au départ, c'était Defiant Studio qui se chargeait du bébé, mais le résultat n'a pas convenu à CI Games, qui est donc l'éditeur. Ils ont placé Hexworks à la barre, et après tout ce remue-ménage, le jeu arrive donc le 13 octobre sur PC, Xbox Series et PS5. Et tout ceci étant dit, on va maintenant aborder ensemble l'histoire du jeu, une histoire qui va nous placer dans le monde de Axiom, plus précisément dans le royaume de Mondstead, un royaume qui est en proie à une grande tyrannie, car il y a bien des années de cela, un dieu démon semait la terreur dans la région, un dieu démon du nom de Adir, qui avait été vaincu et condamné à l'exil par l'ordre des Saintes Sentinelles, avec l'aide du Croisé Noir, sorte de champion de l'ordre. Et vous vous doutez bien
que le calme était revenu, mais qu'un dieu démon ne reste pas vaincu éternellement, et donc Adir revient, il sème la terreur une nouvelle fois, et c'est dans ce contexte que vous allez devoir intervenir en incarnant le mythique Croisé Noir afin de repousser Adir, de sauver le monde et de combattre ces hordes démoniaques qui déferle dans le royaume de Mondstadt. Donc autant le dire tout de suite, ça va barder et je peux vous dire que les épées vont être vite tirées des fourreaux. Donc on est en face d'un jeu action RPG de type Souls-like, un jeu qui va être extrêmement exigeant. Et croyez-moi quand je vous le dis, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard, on va conclure sur la partie histoire qui peut sembler de prime abord assez convenue, mais au final elle se retrouve très très solide et surtout étoffée par un lore très qualitatif. Un lore qu'il vous faudra bien sûr aller chercher car la narration reste très cryptique à l'image de ce que propose From Software dans ses titres, mais sachez que c'est très qualitatif côté scénario et que le jeu est très qualitatif dans pas mal d'autres compartiments, à commencer par son gameplay. Comment débuter cette partie sur le gameplay sans évoquer ensemble l'éditeur de personnages, un éditeur de personnages qui vous permettra bien évidemment de choisir votre classe de départ parmi 9 classes disponibles si vous possédez l'édition standard du titre. Si vous possédez l'édition deluxe, vous en aurez une dixième dès le début, celle du Croisé Noir, qui bien entendu sera débloquable par la suite sans payer. Il faudra suivre une petite série de quêtes au sein du jeu et vous pourrez débloquer l'armure, l'équipement et bien entendu la classe du Croisé Noir. Et vous pouvez voir à l'écran qu'il y en a une petite dixième juste en bas, le Cabaliste de la Radiance. Alors cette classe elle aussi est débloquable lors de votre aventure, il y en aura plusieurs à débloquer afin d'augmenter la rejouabilité du titre, une rejouabilité qui est très très fournie, mais ça on en reparlera plus tard. Revenons sur l'éditeur de personnages qui nous permettra aussi de peaufiner notre aspect physique. Alors là on aura énormément de choix, on a un éditeur qui est très très fourni, on peut faire beaucoup de choses, on peut tout modifier à la main ou choisir des visages déjà préétablis. On aura aussi pas mal de coupes de cheveux ou encore de barbe, de tatouages, de couleurs de yeux, de couleurs de peau, ainsi qu'un grand choix en termes de morphologie. Donc il sera vraiment possible de bâtir l'avatar virtuel que vous souhaitez. Gros plus pour cet éditeur de personnages qui est très réussi et qui propose énormément d'options de personnalisation. Ceci étant dit, je vous mets un petit peu de gameplay avec le rôdeur plume noire. Donc le gameplay que vous voyez à l'écran, c'est le tout début du jeu, une fois sorti de l'éditeur de personnages. Et pour revenir sur les classes de départ, sachez que je les ai toutes testées. Là, vous voyez donc le rôdeur plume noire, une sorte d'archer avec une hache et un bouclier. Alors ce n'est pas sur cette classe que j'ai misé pour faire toute mon aventure. Je me suis plutôt orienté vers le Saint Chevalier, une sorte de gros bourrin à qui j'ai glissé un petit espadon à deux mains. Et j'ai misé sur un build orienté force. J'ai mis tous mes points dans la force, l'agilité, bien évidemment l'endurance et la vie, afin d'être un gros tank et de taper très fort au corps à corps. C'est comme ça que je fais ma première run sur chaque Souls-like, car je trouve que c'est tout de même plus dur d'affronter les ennemis à grands coups d'espadon plutôt que d'être tapis plus loin en leur tirant de la magie. Alors bien sûr, j'aime aussi la magie, mais je recherche avant tout un challenge, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis grand amateur de challenge, donc je recherche avant tout la difficulté, et avec ce titre, j'ai été très très servi, mais ça, comme je vous l'ai dit, on y viendra un petit peu plus tard, car je vous réserve bien évidemment toute une partie de la vidéo sur la difficulté, afin que vous puissiez savoir à quoi vous aurez affaire. Mais pour revenir sur les classes, sachez qu'elles proposent toutes un gameplay différent, avec pas mal d'objets de départ qui vont diverger suivant la classe choisie. Donc en termes de gameplay, toutes ces classes proposent une approche assez différente des combats, et bien évidemment je précise que si votre classe de départ ne vous convient pas, il sera tout à fait possible de la modifier. Par exemple, vous avez choisi le rôdeur plume noir et le côté archer plus petite hache à une main ne vous convient pas, et bien rien ne vous empêchera de passer sur un build magie ou encore un build force, et vous pourrez bien évidemment réinitialiser les stats de votre personnage à votre convenance pour repartir sur un nouveau départ et répartir vos points comme bon vous semble. Donc il y aura énormément de possibilités en termes de build, et bien souvent quand on choisit une classe de départ, on ne lui reste pas forcément fidèle tout au long de l'aventure, on bifurque souvent vers d'autres spécialisations, et rien ne vous empêchera de le faire au sein de ce Lords of the Fallen. Et l'aspect création de personnages, choix de classe et optimisation de votre build est vraiment hyper réussi, et c'est un sans faute de ce côté-là.
va maintenant parler ensemble du monde du jeu et plus précisément de l'exploration au sein de ce monde. Donc comme vous pouvez le voir, je suis au pont du repos astral. C'est ici que vous pourrez améliorer votre personnage en passant par la forge, en améliorant les sanguinatrix, ce qui vous permettra de vous soigner. C'est les petites croix que vous pouvez voir en bas à gauche et c'est cette petite dame qui vous servira à les améliorer. Vous aurez aussi pas mal de vendeurs qui vous permettront d'obtenir des armes, des armures ou encore des sorts et bien plus. En gros, c'est ici que votre quartier général se trouvera. C'est ce qui fait office de hub et de base pour votre personnage. Et vous aurez accès bien évidemment à un sanctuaire, ce que vous voyez à l'écran, qui vous permettra d'accéder au mode multijoueur, d'invoquer un ami, d'aller aider un ami ou bien évidemment d'aller massacrer d'autres joueurs. Vous pourrez aussi accéder au New Game Plus depuis ces sanctuaires une fois votre aventure terminée et bien évidemment voyager dans toutes les zones du jeu. Et comme je vous le disais, vous pourrez donc y trouver la forge, un endroit très utile qui vous permettra d'augmenter la puissance de vos armes, et à savoir qu'il n'y a que ces dernières qui peuvent être augmentées. Les armures, ce n'est pas possible, elles restent avec les stats basiques, mais pour les armes, vous pouvez les monter jusqu'en plus 10 en utilisant les cailloux que vous voyez juste au-dessus en haut de l'écran. Et une fois que votre arme est en plus 10, vous pouvez y glisser des petites runes à l'intérieur, ce qui vous permettra d'obtenir pas mal de buffs et surtout de peaufiner votre build et de modifier drastiquement votre façon de jouer. Il y a énormément d'options de création avec ces runes et cela ne s'arrête pas là, car comme j'ai pu vous le dire, il y a d'autres PNJ tels que celui-ci, un magicien qui vous permettra donc d'acheter des sorts, mais pas que, car il aura aussi quelques armures dans sa besace et quelques items qui pourront s'avérer fortement utiles. Et je vous parlais il y a quelques secondes des runes que vous pouvez glisser sur vos armes, et bien en voici une, et juste à côté, on continue dans la personnalisation avec les teintures, car oui, il sera possible de teindre votre armure avec des teintures que vous pourrez trouver ici et là au sein du monde du jeu. Et vous aurez aussi la possibilité d'accéder à un PNJ dans le monde des morts, donc le monde d'Umbral, directement à l'intérieur du hub. Ce PNJ qui en apparence n'est pas très ragoûtant, mais il vous sera pourtant très utile, car vous pourrez insérer un œil ombralien à l'intérieur de votre lampe, ce qui vous permettra d'obtenir des buffs assez sympathiques, mais vous pourrez aussi bien évidemment y améliorer votre lampe et bien sûr lui acheter des sorts, des petits items assez utiles. Et c'est pas fini, puisque juste derrière ce PNJ, vous aurez accès au sanctuaire de la mer putride qui vous permettra d'obtenir des teintures, des armures et autres en y échangeant des yeux. Yeux que vous pourrez obtenir en vengeant la mort de certains joueurs. Vous verrez parfois une petite lanterne rouge au sol durant votre aventure. Là, vous pourrez interagir avec cette dernière. Elle vous mènera directement à un ennemi qui a tué un joueur. Là, il faudra le venger en tuant cet ennemi et vous obtiendrez des yeux à échanger au sanctuaire de la mer putride. Et cette mécanique me fait personnellement penser à la mécanique de vengeance que l'on a déjà pu voir dans Nioh. Et cela ne s'arrête pas là, on aura le même genre de mécanique avec la coopération. En aidant des joueurs, vous gagnerez une sorte de monnaie que vous pourrez échanger au sanctuaire d'Orius contre des armures, des teintures, etc. Et on aura la même pour le PVP. Quand vous tuerez un joueur, vous gagnerez une petite récompense que vous pourrez échanger afin d'obtenir une nouvelle fois des teintures, armures et autres items assez utiles. Bon, vous l'avez compris, il y a énormément de choses à faire au sein du titre, mais votre objectif principal sera d'éradiquer la menace qu'Adir représente. Et vous pouvez voir dans le ciel des faisceaux lumineux dorés qui, au début de votre aventure, seront rouges, et ces faisceaux seront vos objectifs principaux. Il faudra vous rendre jusqu'à eux afin de les purifier. Là, je vous affiche la carte du monde à l'écran. Donc vous pouvez voir qu'elle vous indique où sont les faisceaux. Donc ces faisceaux, comme j'ai pu vous le dire, il faut vous y rendre afin de les purifier. Mais bien évidemment, vous vous doutez qu'ils seront gardés par des boss assez retors, qu'il vous faudra bien sûr combattre afin d'accéder au faisceau, de le purifier et de réduire l'influence d'Adir sur le monde. Et je précise que le jeu n'est pas un monde ouvert à la sauce d'un Elden Ring. On est plutôt sur une structure similaire à ce que propose un Dark Souls ou encore un Bloodborne. Rien ne vous empêche d'aller où bon vous semble, mais les zones sont plutôt couloirs. On en a certaines qui sont plus ouvertes que d'autres, mais dans l'ensemble, on est sur quelque chose de bien plus couloir qu'Elden Ring et quelque chose qui se rapproche énormément de la formule d'un Dark Souls. Et c'est d'ailleurs une formule qui, pour moi, est bien plus adaptée au style du Souls-like. Alors je sais qu'il y a bon nombre de fanatiques d'Elden Ring qui verront sûrement cette vidéo, mais pour moi,
Elden Ring n'est pas du tout le meilleur Souls-like et encore moins le meilleur jeu de From Software. Pour ma part, c'est plus un Bloodborne ou un Sekiro qui vont représenter l'excellence et qui pour moi vont s'imposer comme les meilleurs jeux qu'a créé From Software et comme les meilleurs Souls-like. Et ce Lords of the Fallen a énormément de choses dans sa besace pour tirer son épingle du jeu et rejoindre le panthéon des Souls-like, à commencer par son exploration qui va être très exigeante, car vous devrez vous orienter avec la petite carte que je vous affiche à l'écran. Donc vous n'aurez pas de mini-map à proprement parler, vous aurez votre journal et des fragments de cartes, et il faudra vous trouver des repères visuels afin de vous orienter, et je trouve que c'est vraiment très très bien pensé, ça nous pousse à vraiment tout regarder, et on n'est pas pris par la main, on est vraiment sur une exploration qui est assez exigeante, et il m'est arrivé plusieurs fois de rôder une à deux heures en cherchant une clé qui m'avait échappé afin de continuer mon aventure, donc il faut vraiment tout bien observer pour ne rien laisser nous échapper. Et la chose qui va surtout faire que le jeu va se différencier, c'est sa mécanique de monde et de lanterne. Il y a deux mondes que vous pouvez explorer au sein du titre, le monde d'Axiom qui est donc le monde des vivants, et le monde d'Umbral qui lui sera bien moins accueillant car ce sera le monde des morts, auquel vous pourrez accéder grâce à votre lanterne. Vous pourrez utiliser son pouvoir afin de vous rendre directement dans le monde des morts, ou bien encore la brandir devant vous pour en apercevoir des bribes, afin d'accéder à des chemins qui ne sont pas accessibles dans le monde des vivants, et de modifier drastiquement le level design, ce qui vous permettra entre autres d'ouvrir certaines portes qui sont fermées dans le monde des vivants, mais qui en passant par le monde des morts pourront s'ouvrir et vous permettre de continuer votre exploration. Cela vous permettra aussi de trouver pas mal de loot, de trésors, d'anneaux, et surtout de quoi améliorer vos potions. Et cette mécanique me fait grandement penser à du Legacy of Kain ou encore du Soul River pour les vieux briscards tapis dans l'ombre parmi vous. Et cette mécanique permet surtout une double lecture en termes d'exploration, car pour tout voir, obtenir tous les items et ne rien louper, il faudra explorer la zone une première fois entièrement dans le monde d'Axiom, donc celui des vivants, et la refaire entièrement dans le monde d'Umbral, donc le monde des morts, ce qui permettra, comme j'ai pu vous le dire un petit peu plus tôt, de modifier le level design du titre, level design qui est d'ailleurs aux petits oignons, c'est très réussi de ce côté-là, et la mécanique de lanterne est vraiment une pure réussite et constitue une des plus grosses forces du titre. Et d'ailleurs, on n'en a pas fini avec cette dernière, car à certains endroits du monde, vous pourrez trouver ces parterres de fleurs, parterres de fleurs qui vous serviront à planter une petite graine qui pourra vous faire pousser un checkpoint sous le nom de germe. Donc ici, vous pourrez vous reposer, vous téléporter ou encore le poser habilement devant l'entrée d'un boss. Donc oui, vous pourrez créer vos propres checkpoints et il faudra le faire intelligemment car les sanctuaires ne sont pas légion au sein du monde et il ne sera pas rare du tout de tomber sur un boss qui, à côté de son antre, n'aura pas de sanctuaire à vous proposer. Donc ce sera à vous de créer votre propre checkpoint, mais attention, car les graines ne sont pas illimitées et c'est assez dur d'en obtenir. Et la lanterne sera aussi utile en combat, car parfois certains ennemis auront un parasite qui les accompagne, ce qui leur permettra d'obtenir un bouclier sur leur barre de vie, et il faudra d'abord vous débarrasser du parasite afin de tuer votre ennemi. Et toujours lors des combats, vous pourrez sortir l'âme de vos adversaires en l'aspirant avec votre lanterne afin de taper dessus, de griser la santé de l'ennemi et de lui faire de très très gros dégâts lorsque vous lui remettrez un coup juste derrière. Vous aurez aussi la possibilité d'effectuer des exécutions avec la lanterne. Donc vous l'avez compris, il y a énormément de mécaniques avec cette dernière. Ce n'est pas qu'un simple gadget, mais bel et bien le cœur du gameplay du titre. Et lorsque vous mourrez dans le monde des vivants, admettons en combattant un boss, eh bien vous vous réveillerez dans le monde des morts et vous aurez alors une deuxième chance de tenter de le terrasser, donc cela peut être grandement utile, sachant que les boss sont assez ardus, mais ça une nouvelle fois, on en parlera un petit peu plus tard, et sachez que lorsque vous serez dans le monde des morts, par exemple hors d'un combat de boss, eh bien vous aurez un petit œil qui s'affiche sur la droite de l'écran, ce petit œil va se remplir avec le temps jusqu'à virer au rouge, et lorsqu'il sera rouge, eh bien les ennemis qui viendront vous chercher seront vraiment terrifiant et surtout très puissant, donc votre temps est compté à l'intérieur du monde des morts et il ne faut pas faire n'importe quoi, mais sachez que vous pourrez en sortir assez régulièrement en trouvant des petites effigies qui vous permettront de regagner le monde des vivants. Et sachez qu'il y a encore pas mal de mécaniques à découvrir avec cette lanterne au sein du jeu, c'est vraiment un élément primordial du gameplay et c'est surtout une grande réussite.
Donc maintenant que ceci est dit, on va passer au combat du jeu. Now you will know darkness, brother. S'il y a bien un souci que rencontrait l'opus de 2014, c'est bel et bien ses combats qui étaient assez mous et vraiment très très lents. Et bien avec cet opus, c'est totalement corrigé car les combats sont hyper nerveux. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal de coups dans notre besace, comme un bon gros coup de pied sauce Léonidas. On distribue les coups d'épée très rapidement, et ce, même avec un espadon. On dispose aussi d'armes de jet qui sont très utiles lors des combats et qui nous permettent d'atteindre des ennemis qui sont planqués ou bien en hauteur. Et surtout, en parlant de hauteur, on peut faire de terribles attaques sautées et retomber avec violence sur nos ennemis. Donc les combats sont très nerveux et viscéral, et ça, ça fait du bien. On contrôle un personnage qui est très mobile et très agile. On n'est pas en face d'un tractopelle. On peut varier les plaisirs en alternant entre front stab, utilisation de la lanterne, armes de jet, armes de corps à corps. Bref, tout y passe. C'est hyper nerveux et c'est très, très dynamique. Et cela constitue une nouvelle fois une énorme force du titre. C'est sûrement l'un des meilleurs systèmes de combat présents au sein d'un Souls-like. On y prend énormément de plaisir et on se retrouve, quand on le manie bien, à mettre des corrections à nos ennemis. Je peux vous dire qu'ils ne passent pas un bon moment. Bon, là, ce que vous voyez à l'écran, je suis dans une des premières zones à gros niveau. C'est pour ça que je ratiboise tout comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne dans une zone un petit peu plus tendue. On va dire que ça ne se passe pas de la même façon. Donc hop, on va se glisser dans la zone de neige. Et il y a une petite chose que je voulais vous montrer dans l'inventaire. Oh, attendez, on a de la visite. On va corriger ça car on n'est jamais tranquille dans ce jeu. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on dispose donc de 3 slots pour des armes de jet. Donc vous les mappez comme vous voulez. Vous pouvez ensuite vous équiper d'un catalyseur. Bon bah comme vous voyez, on n'est jamais tranquille comme je vous disais. Donc on va reculer un petit peu et s'équiper de notre fameux catalyseur. Donc ce catalyseur, vous le mettez dans l'emplacement de votre main de lancer. Ça va vous mettre les sorts que vous avez mappés ultérieurement, donc vous pouvez remapper ce que vous voulez. Donc vous allez voir, je vais lancer quelques sorts, mais je ne fais pas beaucoup de dégâts car je n'ai pas mis énormément de points dans la magie avec ce personnage. Donc cela va très vite pour switcher du catalyseur à la main de lancer. D'ailleurs, vous pouvez ouvrir votre inventaire et bouger en même temps. Et lorsque vous allez retirer votre catalyseur, ça laissera les objets de lancer que vous avez mappés juste avant sur les touches. Donc vous switchez de la magie aux armes de lancer et ça laissera vos sorts et vos objets bien en place. Donc c'est très pratique pour alterner rapidement entre les deux styles de jeu. Sachant qu'on a des armes de lancer qui sont vraiment très puissantes, vous voyez que j'utilise des petits javelots et ces javelots me permettent de me soigner. Lorsqu'ils se plantent dans le sol, eh bien ça crée une zone de soins. Je n'ai plus qu'à me glisser dedans pour récupérer ma vie. C'est pour cela que je n'ai pas amélioré grandement mes potions. Je compte beaucoup sur mes javelots et j'articule la partie soin de mon build autour d'eux. Donc comme je vous disais, c'est pour ça que je n'ai pas amélioré grandement mes potions. Alors à savoir qu'on ne peut pas les lancer en illimité. Vous pouvez voir sous ma barre d'endurance, donc la barre verte, une espèce de barre avec des petits points. On en a des gris et des jaunes. Les jaunes correspondent au nombre de petites barres que me coûte un lancer de javelot. Donc vous pouvez voir que cela me coûte 4 barres, et une fois qu'il n'y en a plus, eh bien soit on se repose auprès d'un sanctuaire et on récupère cette jauge, soit on utilise une petite sacoche de munitions qui va nous permettre de faire le plein et de repartir tout beau, tout neuf. Donc comme je vous le disais, les armes de lancer sont vraiment importantes et sont au cœur du système de combat. Comme vous pouvez le voir, j'use et abuse de mes javelots, ce qui me permet de me soigner assez rapidement. Bon, bien sûr, je peux coupler ça au petit Sanguinarix qui va me permettre d'être encore plus efficace en termes de soins. Et précisons aussi que l'ambidexterie est tout à fait possible. Vous pouvez prendre une arme dans chaque main ou votre arme dans une main ou bien à deux mains. Et on va se prendre un petit espadon pour le mettre dans l'autre main. Et vous voyez que le moveset change pas mal. Donc là, on est tout de même assez lent. On a quand même un espadon dans chaque main. Mais ça marche plutôt bien pour ceux qui apprécient ce genre de gameplay. On va aller tester ça d'ailleurs de suite sur ce gros monsieur qui n'a pas l'air très gentil. On va donc lui rentrer directement dedans et lui faire tâter un petit peu d'acier. Et comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien
avec un espadon dans chaque main, alors précisons qu'il est possible de le faire avec chacune des armes du jeu. Vous pouvez jouer à votre sauce, une épée et un bouclier, une épée à deux mains, une épée dans chaque main, double dague, double marteau, bref, il y a énormément de possibilités en termes d'armes et surtout en termes d'équipement. Et ça tombe bien qu'on parle d'équipement car les armes ne seront pas les seules choses qui vous seront utiles. Vous aurez bien évidemment une amulette qui vous permettra d'obtenir des buffs, ainsi que deux anneaux qui viendront accompagner cette amulette et qui vous permettront d'être bien plus puissant. Et précisons qu'on aura tout de même une limite de poids et on ne pourra pas faire n'importe quoi sous peine d'être grandement handicapé dans nos esquives et notre roulade. Et j'ai une dernière chose à vous dire sur les combats, une chose qui fait grandement plaisir, c'est que la caméra est vraiment hyper bien gérée. Cela corrige le défaut de nombreux sous-like, si ce n'est pas tous les Souls-like, car dans les jeux du genre, lorsque l'on combat un boss qui est de taille plutôt conséquente, la caméra a tendance à faire n'importe quoi. Et bien là, avec ce Lords of the Fallen, la caméra passe en plan large lorsque l'on affronte un gros boss et qu'il s'éloigne de nous, ce qui nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble et de pouvoir bien mieux aborder et gérer ces affrontements. Donc c'est vraiment un gros plus pour la caméra qui est vraiment hyper bien gérée et au petits oignons. Alors bien sûr, elle restera parfois capricieuse lorsque vous serez dans des petits endroits étriqués et que pas mal de mobs vous sauteront dessus. Là, c'est sûr que la caméra ne pourra pas faire de miracle, mais dans l'ensemble, c'est vraiment hyper réussi et hyper bien travaillé, et cela viendra sublimer les combats de boss. Et d'ailleurs, on reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo des combats de boss, mais pour le moment, on va parler ensemble de la difficulté du jeu. Holy Aureus, giver of life and light. In your divine radiance, we trust. Je vous mets donc à l'écran l'un des premiers gros combats de boss du jeu, si ce n'est le premier gros combat de boss, histoire que vous puissiez vous rendre compte de la difficulté du titre. Alors on ne va pas se mentir, je vais vous le dire tout de suite, le jeu est extrêmement exigeant. On n'est pas en face d'un Elden Ring, histoire que vous puissiez vous jauger. Si vous n'avez fait qu'Elden Ring à grands coups de rivière sanglante, eh bien vous allez rôter du sang. Et attention, je ne dis pas ça pour me moquer de qui que ce soit, je dis ça uniquement pour vous prévenir et pour que vous soyez préparé à bien dérouiller. On est en face d'un jeu extrêmement exigeant, et d'après les dires des développeurs, ils ont voulu créer un Dark Souls 4.5, mais pour les joueurs hardcore. Et je peux vous dire que c'est bel et bien le cas, le jeu est vraiment, mais vraiment exigeant. Alors armez-vous de patience car les obstacles sur votre route risquent d'être nombreux et surtout de taille. Car la plupart des boss représentent un sacré challenge. Mention spéciale au juge clair que j'ai trouvé hyper tendu. Alors bien sûr, rien d'impossible. Si vous êtes patient et que vous souhaitez vous investir sur le jeu, eh bien vous réussirez à passer tous les obstacles qui seront sur votre route. Mais comme j'ai pu vous le dire, préparez-vous à rôter du sang, car ce titre est clairement l'un des Souls-like les plus durs à l'heure actuelle. Et pour vous faire une idée encore plus approfondie et pour légitimer mes propos, laissez-moi vous parler rapidement de mon expérience avec les jeux du genre. J'ai commencé en 2010 avec Demon's Souls sur PS3. Je l'avais vu traîner dans un bac occasion à Micromania et j'avais trouvé la jaquette plutôt jolie. Donc je l'ai acheté et je ne savais pas dans quoi je m'aventurais. Depuis, je suis devenu accro à ce style de jeu. C'est clairement mes jeux préférés. J'ai fait quasiment tous les Souls de From Software, à l'exception de Dark Souls 1, car je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je suis passé un petit peu à côté du train pour cet opus-là, sinon j'ai fait tous les autres. J'ai platiné Bloodborne, j'ai platiné Sekiro, j'ai platiné Elden Ring, j'ai platiné Demon's Souls, la totale. Je suis même resté au Panthéon premier mondial sur Demon's Souls quasiment 7 mois, je crois même que j'y suis encore. Bon, je ne suis plus premier, j'ai descendu un petit peu dans les stats, mais j'y suis toujours. Et bien évidemment, j'ai mangé à la pelle tous les Souls-like et dérivés qui sortaient un petit peu partout, donc les Steel Rising, les Hellpoint, les Mortal Shell, les Nioh, les The Surge, les Timesia, bref, j'en ai bouffé à tous les râteliers, et celui-ci, je l'ai trouvé vraiment coton. Alors tout de même, un cran en dessous d'un Sekiro, mais il est quand même très difficile, donc je préfère vous prévenir. Alors bien sûr, on aura quelques mécaniques qui seront là pour nous aider, à commencer par la possibilité d'invoquer des PNJ lors de certains combats de boss, mais ça, ce ne sera pas pour tous les combats. Vous allez devoir vous débrouiller seul la plupart du temps. Donc bien sûr, vous pourrez jouer en multijoueur, et ça, c'est vraiment très cool. On en parlera un petit peu après du multijoueur, mais ce que j'aime le plus dans ce genre de jeu, c'est l'entraide, le fait de pouvoir aider quelqu'un qui se retrouve de prime abord coincé sur un boss.
et le faire progresser dans le jeu jusqu'à ce qu'il devienne une machine de guerre, ça c'est quelque chose que j'adore. C'est bien ce qui fait le sel de ce genre de jeu, le fait de tous s'entraider et de ne pas faire une compétition de qui est le plus fort, car n'oublions pas que l'on est tous dans le même bateau et que l'on a tous le même objectif, c'est de venir à bout du jeu, donc si on peut le faire ensemble, eh bien c'est encore mieux. Et je précise aussi que la difficulté est bien souvent subjective, cela dépend du ressenti de chacun et du style de jeu de chacun, certains roulent sur Sekiro et galèrent sur Demon's Souls et inversement, donc il y en a pour tous les goûts et surtout comme je vous disais c'est adapté à différents profils de joueurs. Et pour ceux qui connaissent ma misérable chaîne à côté de JVM, vous savez que je suis un amateur de challenge comme j'ai pu vous le dire un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'ai fait pas mal de challenges de type finir Elden Ring au niveau 1, finir le New Game Plus d'Elden Ring au niveau 1, Demon's Souls au niveau 1, Elden Ring uniquement au bouclier, bref, la totale. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien, car je peux vous garantir que j'en ai bien bavé pour arriver au bout de ce Lords of the Fallen. Bon, bien sûr, ça se fait tout de même. À un certain moment du jeu, on commence à avoir des armes relativement puissantes, ainsi que des sorts ou encore des armes de jet qui nous permettent de battre les boss beaucoup plus facilement. Mais la courbe de progression au sein du jeu est vraiment longue et le début n'est pas simple. Et il faudra pas mal de temps pour bien maîtriser toutes les mécaniques que propose le jeu et surtout s'en servir à bon escient. Donc une nouvelle fois, je rappelle que la difficulté est subjective. Peut-être que moi, je l'ai trouvé assez dur et que vous, vous allez lui rouler dessus. Mais en tout cas, je préférais vous prévenir car le jeu est très exigeant et pas seulement au travers de son système de combat, mais aussi au travers de son orientation. On ne vous prend jamais par la main et il faudra bien utiliser votre journal et vos fragments de cartes pour vous orienter car vous risquez de vous retrouver vite perdu si vous ne le faites pas. Et j'ai trouvé cette difficulté vraiment bien calibrée. Les morts ne sont jamais injustes, ne sont jamais frustrantes. On est en face de quelque chose de très bien dosé. Si vous mourrez, c'est de votre faute car vous avez commis une erreur. Et ça, c'est vraiment bien. Et pareil pour la courbe de progression qui, elle aussi, est bien dosée. On prend énormément de plaisir à progresser au sein du jeu. Et petit à petit, on sent bel et bien que l'on devient plus puissant. Et une dernière chose avant de passer à la partie suivante de la vidéo. Je n'ai aucun doute sur le fait que dans quelques temps, pas mal de vidéos fleuriront sur YouTube en vous proposant des builds redoutables qui vous permettront de vous simplifier l'aventure. Et précisons aussi que tout ce que je vous ai dit sur la difficulté depuis tout à l'heure, ce n'est valable uniquement que pour la partie solo, car j'ai pu tester le jeu en multijoueur et cela n'a rien à voir côté difficulté, c'est beaucoup plus simple et ça tombe bien car on va parler maintenant du multijoueur. On va passer rapidement sur la partie multijoueur car cette vidéo commence à être déjà bien longue. Donc le jeu est jouable jusqu'à 2 joueurs en coopération et vous pourrez accéder à ce mode multijoueur à n'importe quel sanctuaire. Vous pourrez donc invoquer un autre joueur ou l'accompagner ou bien même envahir un joueur en PVP pour essayer de le tuer et de gagner une petite récompense. Alors précisons de suite que la force de ce mode multijoueur c'est qu'il est sans interruption. Donc vous pouvez invoquer un ami à vous au début du jeu et faire d'une traite toute l'aventure sans coupure. Les deux joueurs peuvent progresser en même temps, obtenir tous les deux des armes, monter tous les deux leur niveau et vivre intégralement l'aventure ensemble. Ils ne pourront juste pas trop s'éloigner l'un de l'autre. Le deuxième joueur doit rester proche de l'hôte. Il ne peut pas partir à l'autre bout du royaume. Il doit rester avec l'hôte sous peine d'être téléporté auprès de lui. Mais cette limite est assez généreuse et n'est pas dérangeante et ne gâche pas le plaisir de jeu. Et je précise aussi que le titre est crossplay. Les joueurs PC peuvent jouer avec les joueurs PS5 et Xbox. Par contre, entre consoles, le jeu n'est pas crossplay, donc il n'est pas possible de jouer d'Xbox à PS5. Le crossplay fonctionne uniquement de PC à console. Et pour terminer sur la partie multijoueur, un petit mot sur la difficulté qui m'a semblé bien plus abordable à deux joueurs, même si le défi augmente, les boss ont plus de vie, les mobs ont plus de vie et deviennent donc bien plus résistants. C'est beaucoup plus simple tout de même d'en venir à bout car on peut se partager l'aggro ou même si votre allié meurt, vous pouvez le réanimer et le réintégrer directement dans le combat. Donc le jeu m'a semblé bien plus facile en multijoueur. On va maintenant parler du bestiaire et des combats de boss. Un bestiaire qui fait le job sans être transcendant, car vers la fin de l'aventure, on commence à ressentir quelques redondances
en termes d'ennemis rencontrés. Alors bien sûr, comme j'ai pu vous le dire, ça fait le job, mais on était en droit d'en attendre un petit peu plus. Au vu de l'ambiance du jeu, un bestiaire un poil plus fourni n'aurait pas été de refus, notamment du côté des créatures qui nous tombent dessus dans le monde des morts. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, il y en a tout de même un certain nombre, mais quelques créatures en plus auraient vraiment été les bienvenues et auraient apporté un petit plus au jeu, car je trouve le bestiaire un poil trop sage. Bien sûr, il fait le job, mais on était en droit d'en attendre un petit peu plus de ce côté-là. En revanche, pour les combats de boss principaux, le jeu fait mouche instantanément. Les combats de boss sont vraiment très, très réussis. On nous propose des boss vraiment marquants. Ils sont quasiment tous emblématiques et proposent un combat épique à chaque fois, sublimé par une bande-son de très bonne facture. Et pas mal de combats proposent des mécaniques assez intéressantes en termes de gameplay. Il faudra se servir de la lanterne et il y aura parfois plusieurs façons de combattre un boss, soit dans le monde des vivants ou encore dans le monde des morts. C'est vraiment très réussi de ce côté-là. À savoir qu'il y a 12 boss principaux et un boss caché optionnel, mais je n'en dis pas plus pour celui-ci, vous le découvrirez vous-même. Et à côté de ces 12 boss principaux, enfin 13 avec le caché, eh bien vous aurez 16 boss secondaires. Et là, le bilan est un petit peu plus mitigé. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment très réussis et du calibre des boss principaux. Mais pour le reste, malheureusement, il y a une bonne dizaine de boss secondaires qui ne sont pas incroyable, je les ai trouvés vraiment en deçà des autres, et ce pour une raison assez simple, car le jeu va tomber dans les travers d'Elden Ring, c'est-à-dire en prenant un ennemi de type élite, un ennemi que l'on croise souvent au sein du jeu, et on lui met une petite barre de vie et on en fait un boss optionnel, et ça c'est vraiment dommage, ça casse l'aspect unique des rencontres de boss, vu qu'on va le recroiser à tout bout de champ, mais en version ennemi standard, eh bien je trouve que c'est vraiment dommage, car le jeu aurait pu éviter ce défaut en travaillant la dizaine de boss secondaires qui ne sont que des mobs d'élite recyclés en boss et en faisant des ennemis uniques. Le jeu aurait grandement gagné en profondeur, malheureusement ce n'est pas le cas. Alors c'est un défaut mineur, car pour la plupart des boss, comme j'ai pu vous le dire, les boss principaux sont vraiment très bon. À côté de cela, on a quand même 6 bons boss secondaires qui sont vraiment très classe, mais une petite dizaine qui malheureusement est en dents de scie, et le jeu souffle quelque peu le chaud et le froid en termes de boss secondaires. Parlons maintenant contenu, parlons maintenant durée de vie. Je vous affiche à l'écran une capture que j'ai prise directement après avoir fini ma première run sur le titre. Donc dès que le boss de fin est tombé, je me suis empressé de faire cette capture et vous pouvez voir que cela m'a pris 41 heures pour terminer le jeu. 41 heures où sur la fin, j'ai un petit peu moins exploré les zones. Donc les 4 ou 5 dernières zones, j'y suis passé un petit peu plus rapidement que dans les premières. Alors par la suite, j'ai continué à jouer. Mais cela, c'est ma capture de fin de jeu. Donc le jeu dispose d'une très bonne durée de vie et propose un contenu qui est assez conséquent. On parle donc là de 12 boss principaux, dont un qui reviendra 4 fois dans le jeu, histoire de bien vous embêter. On parle aussi d'un 13e boss caché optionnel, ainsi que de 17 boss secondaires. Alors je vous ai dit 16 dans la partie précédente, mais j'en avais oublié un petit, je vais pas vous mentir, il était sorti de ma tête, mais il y a bel et bien 17 boss secondaires à l'intérieur du jeu, et vous aurez aussi 3 PNJ qui pourront faire office de mini-boss suivant les embranchements de quêtes que vous allez sélectionner. Ces 3 PNJ, vous pourrez les affronter, et comme j'ai pu vous le dire, ils feront donc office de mini-boss, et il y en a un à l'intérieur des 3 qui est vraiment très très coriace. Et je vous propose de continuer sur des gros chiffres en abordant ensemble le contenu collectable du jeu, donc tout ce qui est armes, armures, etc. Alors à savoir qu'il y a 144 armes à collecter, donc des haches, des épées, etc. À cela viennent s'ajouter 61 armes jetables, donc des javelots, des haches, des grenades, etc. 10 arcs, 8 arbalètes, 17 catalyseurs afin de lancer des sorts, et tant qu'on parle de sorts, il y a 59 sorts à l'intérieur du jeu, ainsi que 339 pièces d'armure. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il y a 339 armures à collecter, mais bel et bien des pièces éparpillées ici et là, donc parfois vous aurez des armures complètes. Alors à savoir tout de même qu'il y a plus de 100 armures complètes, et le reste, ça va être un petit casque, une paire de gantelets, une paire de jambières, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'objets à collecter, et ce n'est pas fini, car à tout cela viendront s'ajouter 63 anneaux et 22 pendentifs. Donc vraiment, si vous voulez tout choper,
tout voir. La durée de vie que je vous ai annoncée de 41 heures, vous pouvez la doubler, voire même la tripler. Donc on se retrouve en face d'un jeu qui dispose d'une durée de vie gargantuesque. Et une fois que vous aurez collecté tout ça, eh bien ce n'est pas fini car vous aurez la possibilité, une fois votre aventure terminée, de passer en nouvelle partie plus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette mécanique, eh bien sachez que le jeu va vous proposer de redécouvrir l'aventure tout simplement en la recommençant depuis le début, en conservant toutes vos armes, toutes vos armures, tous vos niveaux, etc. Sauf que la difficulté va augmenter, la défense contre les éléments des ennemis augmentera, les ennemis auront plus de santé, taperont plus fort et seront encore plus meurtriers. Et petite spécificité qui n'appartient qu'à ce Lords of the Fallen, quand vous passerez en nouvelle partie plus, vous n'aurez plus aucun sanctuaire. Donc quand je dis ça, c'est qu'il n'y aura plus de checkpoint, ils seront tous désactivés, à l'exception de celui du hub central, et il sera bien évidemment impossible de les réactiver. La seule façon pour vous d'obtenir un checkpoint, ce sera de planter la petite graine, comme on a pu le voir tout à l'heure. Il faudra vous créer vous-même vos propres checkpoints, mais attention, car vous ne pourrez en créer qu'un seul à la fois. Avant de passer à la conclusion de ce test, abordons ensemble la partie technique et artistique du jeu. On va commencer par la partie artistique, donc à savoir que le titre tourne sous Unreal Engine 5, et vous l'avez remarqué depuis le début de cette vidéo, il est vraiment somptueux graphiquement, c'est très très solide de ce côté-là, on a des textures qui sont fines et détaillées, une physique qui n'est pas en reste avec de superbes mouvements de cap et autres, des effets de particules pareil qui sont tout aussi somptueux. Alors à savoir que j'ai testé le jeu sur PC et je n'ai pas vu tourner la version console, donc je ne peux pas me prononcer sur cette dernière graphiquement, même si je n'ai aucun doute sur le fait que le jeu sera très joli. Et pour revenir à la version que j'ai pu tester, c'est donc une version PC, et à savoir que je n'ai pas un PC de guerre, j'ai une petite 3060 qui commence à accuser le coup, et surtout toutes les captures que vous avez vues dans cette vidéo sont issues de mon PC, et le jeu tournait en moyen, il n'était même pas en ultra, et c'est déjà somptueux. Pourquoi je ne l'ai pas mis en ultra? Car avec le logiciel de capture, plus le jeu qui tourne en même temps, je vous cache pas que mon PC finissait sur les rotules et je l'entendais me supplier de ne pas trop abuser sur les graphismes, donc j'ai joué en moyen. Bien sûr, je l'ai poussé en ultra de mon côté sans effectuer de capture et c'est vraiment magnifique. Et côté performance, c'était très solide aussi, j'ai eu très peu de chute de FPS, il y a juste une petite zone où le jeu avait un petit peu de mal, mais hormis ça, c'était vraiment impeccable. Et quand je vous dis un petit peu de mal, je ne suis pas tombé à 30 FPS, je devais tourner sous les coups des 60. Donc le jeu est très solide graphiquement et techniquement, et que dire de la partie artistique? Vous avez aussi pu le voir tout au long de cette vidéo, c'est très très réussi. On se retrouve immergé dans un univers de dark fantasy de haute volée qui va puiser ses inspirations dans des œuvres telles que Le Seigneur des Anneaux, Dark Souls ou encore Berserk, et c'est du plus bel effet. Il y a des zones qui sont vraiment somptueuses, dans la globalité elles sont toutes excellentes et proposent toutes une très bonne immersion au sein de cet univers. Pour la partie sonore, musicalement, c'est impeccable. Le doublage n'est pas en reste non plus. Alors, petite précision, il n'y a pas de VF pour les doublages. J'ai donc fait le jeu en doublage anglais et il était de très bonne facture. Alors, bien sûr, il y a une traduction pour tout ce qui est sous-titres en français. Et d'ailleurs, le jeu est intégralement traduit en français. Mais pour conclure sur la partie technique et artistique, on est sur un quasi sans faute, à part une zone pour chipoter où il y a quelques chutes de FPS. Le reste, c'est en béton armé et l'immersion au sein de cet univers est une franche réussite, on ne va pas se mentir. Le jeu nous propose une aventure qui nous prend aux tripes de bout en bout et c'est bien là le plus important. On arrive maintenant à la conclusion de ce test sur Lords of the Fallen, et vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce titre, titre que j'attendais énormément, mais bien évidemment pour ce test, j'ai mis au maximum la partie subjective de côté pour essayer d'être le plus objectif possible et de cerner l'essence même du jeu, et surtout d'en cerner les forces et les faiblesses afin de vous proposer le test le plus qualitatif possible et le plus complet possible. Et que dire
Que dire du jeu? Eh bien déjà, tout simplement, c'est le meilleur Souls-like, ne mâchons pas nos mots, c'est bel et bien le meilleur Souls-like disponible à l'heure actuelle sur le marché, hormis les titres de From Software, bien évidemment, je les mets à part, mais de tout ce qui est sorti en termes de Souls-like, que ce soit Timesia, Steel Rising, dernièrement Lies of P, Wulong, Legno, etc. C'est lui le patron, c'est peut-être même lui le nouveau porte-étendard du genre, car je vous ai dit que je mettais les titres de From Software à part, mais si on le mettait directement en confrontation avec ces derniers, car ne nous mentons pas, c'est inévitable, eh bien, ce Lord of the Fallen a beaucoup de choses dans sa botte, c'est peut-être même l'élève qui a dépassé le maître. On est clairement sur un jeu qui est de la même trempe qu'un Bloodborne et qui est bien au-dessus d'un Dark Souls 2 ou 3 pour ne citer que ces deux-là. Et oui, ne nous mentons pas, il va reprendre énormément de mécaniques des jeux de From Software, mais que voulez-vous, c'est bel et bien eux qui ont créé et démocratisé le genre, donc c'est bien normal de s'en inspirer. Et ce Lords of the Fallen non seulement s'en inspire, mais fait quasiment mieux dans tous les compartiments, hormis le côté bestiaire, comme j'ai pu le mentionner, et les boss secondaires qui malheureusement viennent ternir ce beau tableau. Mais à côté de cela, c'est carton plein dans tous les autres compartiments du jeu, et surtout le titre arrive à amener avec lui des mécaniques et à les pousser à leur maximum, comme par exemple la mécanique de monde des vivants, monde des morts, ou bien encore en creusant un petit peu plus du côté du mode New Game Plus. Donc le titre arrive à sublimer le genre, je dirais même qu'Exwork Studio a réussi à saisir l'essence même du Souls-like et à la transcender en mettant l'exigence au service de l'excellence. Et c'est pour cela que j'attribue au jeu la note de 18 sur 20. Une très bonne note pour un excellent jeu. Et sur ces belles paroles, on va s'arrêter là pour ce test, car j'aurais pu continuer longtemps à vous énumérer ses qualités comme sa direction artistique ou encore son multijoueur, mais je pense que l'on a bien fait le tour de la question. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Nous, ça nous soutient énormément, et à lâcher un petit like, car honnêtement, j'ai passé pas mal de temps sur le montage de ce test. Comme d'habitude, j'ai essayé de vous préserver au maximum. J'ai beaucoup utilisé les trailers qui avaient été diffusés par le développeur. J'ai aussi utilisé quelques captures de gameplay maison, mais j'ai essayé de vous en montrer le moins possible afin que vous découvriez tout ça en jeu par vous-même. Mais en tout cas, comme d'habitude, ça a été un pur plaisir pour moi de vous proposer cette vidéo. Et sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. C'était votre grand malandrin, et à la revoyure, la team JVM.